commence toujours le travail des yeux par l'application de la base à paupières. Donc, on prélève la base. Voilà. بعد نخو الجومبو هذية كي تان جومبو إريزي شامبانج وبش نحطو سور لا بوبيير موبيل. Je l'étale un peu au doigt. Je prends la palette Réveillée de fard à paupières. Je me stamme Réveillée. Avec un pinceau plat, je prélève la matière. Un autre pinceau plat ou bien hot la bière réveillée tarte l'arcade sourcilière. Avec le pinceau plat réveillé biseauté, je vais prendre la couleur chair réveillée, je mets ça dans le banane. Avec le pinceau précision, je prends ce gris foncé. On le met dans le coin externe. Donc, je prends le pinceau mélangeur et je vais mélanger les couleurs entre elles. Donc, les deux couleurs de la paupière mobile, plus faire sortir le fard chouaïa en coin externe. Donc ce qui va agrandir le regard et agrandir l'œil. Voilà. Donc, tawa, je vais appliquer mon liquide eyeliner. Voilà. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser le crayon Hevea, qui est un crayon un peu violet, un peu mauve, assorti au travail des yeux. Donc, je le pose en ras de cils inférieur. Je prends le petit pinceau plat Srayer. Je reprends le fard Elistar Malto Hevea et j'estompe le crayon au ras des cils. Le travail des yeux est terminé, nous passons au travail du teint. Et pour ça, on commence toujours par la base pour le teint.
Voilà. Donc, tawa, je mets mon fond de teint. Une touche d'anticelle. Donc, je le prélève au doigt. On va poudrer le tout avec la Clarifying Pressed Powder. Donc, je tapote un peu le produit et je l'applique aussi en tapotant. Donc, on va travailler les sourcils en utilisant le kit sourcils. Donc, Tawa avec la partie gel. On va tracer le sourcil avec un pinceau biseauté. Et on va fixer la crème, le gel lihatiné avec la poudre. Touche de mascara. Une touche de blush. Toute petite touche de highlighter. Terminer le tout, le rouge à lèvres. Donc je commence par tracer mes lèvres avec mon crayon. Voilà, le look de la Saint-Valentin est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Je vous dis à bientôt.